Salut tout le monde, c'est Dark Kizé et on se retrouve pour la suite de Golden Sun. Bon, alors je suis revenu sur Cam Studio, donc normalement le jeu ne devrait pas être décalé. Par contre, le son on l'entendra moins bien, malheureusement par rapport à Camtasia. Mais comme ça, au moins, normalement, je dis bien, il n'y a pas de décalage. Et en fait, alors. Faut que je m'équipe de force. Voilà. Donc rappelez-vous, hein, il faut bien suivre le chemin que prend le monstre pour sortir de la forêt. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a rien aux alentours. Non, apparemment, il n'y a rien. Bah, franchement, je ne sais pas comment va être le son, hein. Mais normalement, il devrait être moins bon qu'avec Camtasia. Mais bon, ma foi, je peux comprendre hein, que le décalage fasse chier. Moi aussi, personnellement, ça me fait chier le décalage. Alors bon, là, c'est pareil, hein, n'oubliez surtout pas de faire force. Mince, trop loin peut-être. Ouais, il faut être devant en fait. Bon, tant pis. Alors. Ah oui, et à savoir qu'il y a aussi un djinn hein, dans la forêt. Tout malheureusement. Alors en fait, là, on voit que les monstres qui nous guident sont en fait des singes. Donc, voilà. Il y a des singes verts qui nous guident le bon chemin pour sortir et des singes oranges qui sont en fait agressifs. Donc comme je disais, oui, je peux comprendre que le décalage fasse chier. Moi aussi, franchement, j'aimerais vraiment éviter le décalage au maximum. Mais bon, malheureusement, je sais pas pourquoi avec Cam Studio, bah voilà, le son, on n'arrive pas à être bien enregistré, je sais pas. Attendez, je crois que j'ai... Ouais, voilà. Attrapé. Non, tu te fous de ma gueule là, t'es juste devant. Oh, bon. Alors. Ah, bah oui. Ben oui, ben oui, ben oui. La suite, c'est comme ça. Donc, bon, bah, pour les futurs épisodes de Golden Sun, je pense que j'utiliserai. Et pour les jeux dits console portable, j'utiliserai, bah. La Cam Studio, ma foi. On n'entendra peut-être pas aussi bien le son du jeu, mais au moins, il n'y aura pas de décalage. Et bon, si cette vidéo servira un peu de vidéo test pour voir si ça va plus ou moins bien. Bon après, faut que je voie si je peux régler aussi le. Ah, si je peux supprimer le bruit. Le bruit du. Merde. Si je peux supprimer le bruit de ventilateur. Je verrai, mais bon, je ne promets rien. Alors, bon, la suite, c'est toujours par là. Faut toujours suivre le petit singe vert. Bon, alors là, à tous les coups, je vais me prendre le monstre. Voilà. C'est quand même plus facile avec 4 personnages, n'est-ce pas? Bon, sinon, voilà, hein, Pokémon, c'est fini. Hein, comme vous avez pu le voir, j'ai posté la vidéo. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et que vous resterez avec moi encore un petit moment. Alors, bon, lui, il est allé en bas, je vais aller voir à droite s'il n'y a rien. Ah, bah quand même. Une pomme. Ah, ça c'est bien. Alors, la pomme, ça sert à augmenter l'attaque. Voilà, au boost l'attaque. Donc, 6 points. Ça va, c'est quand même pas mal, hein.
Oula. J'ai eu un léger petit lag. J'espère surtout que Cam Studio ne va pas me lâcher au cours de route. Et que surtout à la fin du tournage, ils me disent pas: oh non, je peux pas enregistrer, donc ta gueule. Non, non, franchement, non, merci. Ouais, faut que je soigne Gareth. Parce que ça commence à devenir dangereux dans le coin. Heureusement, j'ai Sophia pour heal. Donc, nous, on doit aller en bas. Voilà. Alors, normalement, le djinn, c'est par là qu'il est. Hop, parfait. J'ai déjà toutes les synergies à portée de main. Ça, c'est très bien. Alors, normalement, le djinn doit être par là. Bon, ça me saoule un peu de combattre. Là, j'ai merdé là. Ah non, c'est bon. Ah bah, il est là. Le djinn. Putain, ça marche depuis là déjà? Bon, alors c'est parti pour récupérer mon troisième djinn de Vénus. Attendez. Ouais, souffle. Marée, voilà. Donc ça fera mon troisième djinn et je pourrais vous montrer l'invocation niveau 3 de Vénus. Alors attendez, 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 attendez. Hop. On va la jouer safe quand même. Ouh, Gareth perd pas mal de vie. Ah bah c'est bon, voilà. Bon, pas trop résistant, le djinn. Et donc le djinn de Vénus Quartz rejoint Vlad. Ça c'est bien. Donc Quartz, voilà, ressuscite un allié. Donc on aura temporairement plus besoin des eaux de jouvence. Car ce djinn-là, bah, nous permettra tout simplement de ressusciter un personnage KO. Mais de toute façon, plus tard, Vlad apprendra une synergie qui pourra ressusciter directement. Donc voilà, donc au final, le djinn ne servira pratiquement à rien. Alors je ne sais pas vraiment où j'arrêterai la vidéo, je verrai. Tout ce que j'espère c'est que Cam... Ouh, Giga Séisme, ça c'est bien ça, Vlad. Tout ce que j'espère c'est que Cam Studio va pas me lâcher, hein. Alors, ça c'est vraiment le truc que je flippe. Donc on fait force, hop, pour que l'autre saute dans le tronc d'à côté. Normalement on est bientôt à la fin du bon Mogal. On doit être carrément à la fin déjà, je crois. Hop, force. On arrive à gauche, je vais juste voir s'il n'y a rien, voir en bas. Apparemment non. Ouais, je vais vous montrer prochainement l'invocation niveau 3. Bon, personnellement, évidemment, c'est... Moi, je préfère les invocations niveau 4, hein, qui sont quand même plus puissantes et plus stylées. Surtout celle de Vénus. La niveau 4 est beaucoup plus classe. La niveau 3, ouais, non, j'aime pas trop. C'est assez bizarre. Bon, alors là, vraiment, à tous les coups, je vais me choper le monstre. On va voir. Ah non. Alors... Lui va en bas, juste aller checker. Ah bah voilà.
Alors, par contre, je vais m'être déplacé de Garrett. Hein. Voilà. Donc bon, bah, on pousse le rocher, on pousse le tronc, chacun son tour pour accéder au coffre. Qui contient? Ouh, une chemise elfique. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Booste l'agilité. Alors, je vais la donner à Vlad. Et toi, Gareth, tu vas prendre l'armure psy. Voilà. Au moins, ça te booste un petit peu les PP. Chose que tu n'as pas. Bon, Vlad non plus, mais... Oh putain. Mais vas-y, quoi. Alors, normalement, on arrive à la fin, là. Hein. Normalement, là, c'est le dernier écran de la forêt de Mogal. Bon, moi, je m'explose les oreilles avec la musique. J'essaie vraiment de la rendre la plus forte possible pour vous. Bon, j'espère que ça sera pas trop fort. Alors, bon, toujours une énigme avec les troncs. Alors là, ah oui, il faut passer à gauche. Ah, mais j'ai pas envie de combattre, c'est bon là. Alors, hop. Ça, c'est bon. Alors là, trois chemins, j'allais vérifier tous les chemins, voir s'il n'y aura pas quelque chose qu'on peut rater. Alors, tu vas aller où? Tout en bas, normalement. Exact. Mais putain. Disparaît, sale crâne. Non, apparemment, il n'y a rien. Là non plus. Ah bah si, c'est la fin de la forêt déjà. Donc oui, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer l'invocation niveau 3. Ça, ne vous en faites pas du tout, je vais vous la montrer. Ah zut, j'ai pas de truc pour regagner les MP. Ah là bon. Donc là on voit un singe vert, on se dit bon, ok. Et si seulement c'était aussi simple que ça? Et ouais. Un gros gorille bleu. Qui fait donc le boss. Et donc c'est Orang-Outan. Donc le boss du bois de Mogal. Bon alors quartz, bon bah voilà. Non, j'ai utilisé granit le premier tour. Et Zéphyr, ouais. Ça va être pas mal, Zéphyr. Et Sophia, pour l'instant, tu restes en soi. Vous en faites pas, je vous montre l'invocation. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, lui aussi, le singe, enfin l'orang-outan a aussi une synergie qui permet de, bah, de bloquer la nôtre, tout simplement. Donc il faudra faire extrêmement attention. Alors, forge, brise. Ah, tiens, ça me rappelle que je vous ai pas montré l'invocation niveau 3 de Jupiter. Bah tiens, ça tombe bien, je vous la montrerai également. Normalement, je vous l'ai pas montré. Non, je l'ai pas montré, donc ça tombe bien, je vous montrerai les deux. Voilà. L'invocation niveau 3 de Mars, non, de Vénus et de Jupiter. Donc voilà, Cybèle et Procné. Alors, Garrett, tu vas utiliser Kirin et voilà. Et pour l'instant, Sophia en défense. Il n'est pas spécialement dangereux le boss, hein, en tout cas pour l'instant. Bon, ça, on a déjà vu. Voilà, maintenant que c'est le nouveau tour, je peux vous montrer les invocations niveau 3. Donc, Cybèle. Garrett, ouais, tu vas faire langue de feu et Procné. Voilà. Alors regardez, Cybèle. Voilà. Donc Cybèle, le maire de toute nature, hein, comme ça a été dit dans la description de l'invocation.
et 60 de pouvoir, hein, quand même. Allez, procné. Bim, bim, bim. Ah oui, ça fait mal, hein. Donc, faut faire gaffe à cette attaque parce qu'elle est assez puissante, hein, le pillage là. Alors, bon, bah, on va attaquer. Pour l'instant, je peux rien faire d'autre. Choc et soin mineur, je vais utiliser sur. Non, plein mineur. Bah, Yvan est quand même plus dangereux. Enfin, ah bah, c'est bon. Bien raide, passe garde et maîtrise boule de feu. Bien. Et voilà. On finit comme ça la forêt de Mogal. Alors, que je me rappelle d'avoir un village pas trop loin. À moins que ce soit déjà. Attendez. Non, 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 il faut passer par la gauche. Est-ce qu'on arriverait déjà là où je crois? Non, non, c'est pas possible. Voilà, donc on arrive à un nouveau village japonais, chinois, je ne saurais pas trop dire. Donc le village de Xian. Et, oh, un djinn de mercure. Alors là, c'est assez compliqué quand même, hein. C'est assez spécial ce qu'il faut faire. En fait, cette dame, on le voit pas trop bien, je crois qu'elle va ramasser maintenant. Elle va prendre de l'eau. Alors attendez. Et en fait, il faut lui parler juste au moment où elle est là, pour que ça crée une flaque d'eau. Alors. Voilà. Bon, on va faire renverser mon eau. Donc voilà. Ah oui, je vous l'avais pas montré, mais Sophia a Frima. Et Frima peut geler l'eau. Et hop, un pilier de glace. Et ça sera. On devra le faire assez souvent. Donc voilà. Hop, troisième djinn de Mercure. Ça, c'est parfait. Donc il manquera le troisième djinn de Mars pour Gareth. Donc le djinn de Mercure, brume. Par contre, je vais le donner à Sophia. Voilà, endort un ennemi. C'est parfait. Donc notre prochaine destination, ça sera là, ce temple. Et je vais vous quitter ici, voilà, dans le village de Xian. Bon, ça sera une plus courte vidéo que les autres, sûrement. Ma foi, j'ai fait tout le bois de Mogal, donc et comme j'ai dit, cette vidéo servira de test pour voir si le son est ok. Allez, je vous retrouve bientôt pour la suite de Golden Sun et des autres épopées. Allez, ciao ciao tout le monde!